La Falman Riche Blonde Mélissa est toujours au top du top. Son look coûte bien $1 million. La beauté, ça vaut son pesant d'or. La riche brune Lucie ne regarde pas non plus à la dépense quand il s'agit de beauté. Magnifique! Ah, l'odeur de l'argent! Mais il y a d'autres styles de clientes. Des clientes très fauchées. Comme la rousse Amélia, par exemple. Où est l'argent? Oups, ses poches sont vides. Est-ce que ça suffit? Un billet en carton? Mais c'est n'importe quoi! On va devoir prendre les magnifiques cheveux roux d'Amélia. C'est la cata! Heureusement que Mélissa et Lucie sont là. Mais laisse tes cheveux tranquilles! Amélia est sauvée. Hé, attendez! Je veux être copine avec vous. Les affaires rapportent de l'argent. Mais ce billet-là sera clairement inutile. Notre premier cours d'aujourd'hui est la chimie. C'est tellement excitant! La riche Lucie adore cette matière. Tandis que le reste de la classe s'ennuie un peu. Aujourd'hui, on va fabriquer un diamant. Regardez comme il brille. Waouh, ça coûte une fortune. C'est qu'un diamant. Mélissa, elle, en a tout plein. Vous pouvez commencer. Vous avez exactement une heure. On va laisser Lucie faire. Elle s'y connaît en chimie. Prenez-en de la graine, les filles. On prend le produit chimique principal. On ajoute un peu de ci et une goutte de ça. Maintenant, il nous faut un petit diamant. Pas de problème. Mélissa en a un sur elle. Et la pauvre Amélia n'a que ça à partager. Les riches et les pauvres ont bossé ensemble. Mais la réaction fut explosive. Les filles, vous avez raté votre examen. Mais les F aussi peuvent être différents. Tout dépend de la taille de ton portefeuille. C'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Amélia n'y pense même pas. Amélia serait perdue sans ce boulot. C'est les filles. Les copines riches ont décidé d'aller faire du shopping ensemble. On va essayer ça. Et Amélia va se déguiser. Faut pas que ses copines la voient. Waouh, quelle tenue hyper chic. Et ça, c'est encore mieux. C'est une robe de rêve. Lucie, c'est la mienne. Quelle fille riche va l'emporter? Amélia, elle, a déjà un plan. On peut faire une robe élégante avec un rideau. On dirait que leur dispute pour avoir la robe s'est transformée en vente aux enchères. Lucie joue le jeu sérieusement. Mais Mélissa sort l'artillerie lourde. La robe est pour la blonde follement riche. Il est temps pour Amélia de sortir de sa cachette. Qui aurait cru que la pauvre Amélia s'y connaissait en mode? Sa robe est trop canon! Elle vaut $1 million, pas moins! Je la prends, emballe-la! Et Lucie va devoir se chercher une autre tenue. La follement riche Mélissa a encore devancé ses copines. Amélia organise une grosse soirée. La nourriture en carton est prête. Et sa chambre est décorée. Il ne reste plus qu'à faire venir des invités. Ce panneau devrait attirer leur attention. Où sont les invités? C'est pas bien d'être en retard. La pizza va refroidir. Je crois que quelqu'un est là. J'arrive! Il faut vite que tu achètes ce gadget incroyable. Pas maintenant, mon pote, j'ai pas le temps pour ça. On dirait que la fête est fichue. Personne veut de ma pizza fraîche en carton. C'est qui maintenant? Encore ce vendeur? J'arrive! Salut Amélia! On est un peu en retard. Cool, la fête est sauvée. Servez-vous les filles. De la pizza en carton? Y a pas moyen. Les riches sont allergiques au carton. Alors on va jouer à un jeu vidéo? Prenez une manette, on va s'éclater. Tu te moques de nous, meuf? Non. Amélia ne plaisante pas. Le Tetris en carton, c'est hyper fun. Mais pas dans le monde des riches. Mélissa, j'ai une idée. On dirait que la fête est terminée. Ça te dit de la vraie nourriture, Amélia? Comme ça donne envie! Ça a même l'odeur d'une vraie pizza. Et maintenant, on va mater notre chaîne préférée. Sur une vraie télé.
la pizza est trop bonne. Elle a pas du tout le goût de carton. Les copines riches savent comment s'amuser. Mais c'est l'heure d'y aller. Bye. Au revoir, Amélia. À plus. Tant pis, elles ont tout repris. Les amis font vraiment ça? Au moins, Amélia a toujours sa pizza. Yeah. C'est pas grave. Il reste plein de miettes. Même les riches rencontrent des problèmes de style. On peut pas sortir comme ça. Mais l'argent, ça sauve toujours la mise. On va coller des billets sur la zone problématique. Et le nez de la pauvre Amélia souffre aujourd'hui. C'est quoi cette odeur? C'est les chaussettes de l'année dernière. Elle a pas d'argent pour faire la lessive. Du coup, on va juste secouer l'odeur. Cette astuce fonctionne à tous les coups. Mais là, on a un vrai problème. Des poils partout sur les jambes. Vous allez voir ce qui vous attend. Amélia sait quoi faire. Quand on a du scotch, on peut faire face à n'importe quoi. On voit pas de poils sur ses jambes. Mais ils sont là. Il y en a plein même. Il est temps de sortir l'arme secrète. Les diamants, au boulot. Les pierres précieuses, ça fait toujours l'affaire. Faut souffrir pour être belle. Étudier, ça demande beaucoup d'efforts. C'est l'heure de manger en ce moment. Amélia a une carotte aujourd'hui. Mais les filles riches préfèrent les desserts gastronomiques. C'est pas juste. Faut qu'elles partagent. La cible est proche. Salut, on échange? Regardez ce que j'ai. Des carottes contre des bonbons. Bonne affaire. Et c'est délicieux en plus. Mélissa, goûte-moi ça. T'en penses quoi? Les carottes semblent avoir des effets secondaires sur les filles. Des mèches rousses? Mais d'où elles sortent? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Réfléchissez. Moi, je continue à manger. Les filles sont pas les seules à avoir des allergies bizarres. Mais des cheveux colorés, c'est hyper canon. Allez, panique pas, ça va passer. Des taches de rousseur? À quoi ça sert, ces trucs? Si seulement je pouvais m'en débarrasser. Amélia sait quoi faire. Elle va camoufler ses taches de rousseur. C'est pas une tâche facile. Mais Amélia peut le faire. Et voilà. Maintenant, Amélia est parfaite. Il est temps de montrer sa beauté au monde entier. Mais le soleil est le pire ennemi d'Amélia. Encore ses taches de rousseur. La brune, elle, a d'autres soucis. Ses sacrés cheveux foncés, ils sont partout. Bon, on verra quoi faire demain. Maintenant, c'est l'heure d'aller à mon date. Je suis là, Denis. Désolée, je suis en retard. C'est pour toi, ma belle. Oh, merci. Et voilà, ça recommence. Ses cheveux marrons sont devenus incontrôlables. Denis, je suis désolée. C'est rien, Lucie. Trop la honte. Mais un bon repas devrait faire oublier ça. Oups. On va pas pouvoir manger aujourd'hui. Je m'en occupe, Denis. C'est bon, bon app. C'est dégueu, Lucie. Je rentre à la maison. Et des cheveux blonds, c'est superbe. Mais ces mèches auraient bien besoin d'un soin. On va demander de l'aide à un pro. Mes cheveux sont malades, au secours! Le styliste est déjà arrivé. Le problème est grave. Ses cheveux blonds ne brillent plus. Et ils ont l'air miteux. Mais la solution est là. Grâce à ce spray incroyable. Applique-en sur les cheveux pour qu'ils reprennent vie. On ajoute un peu d'éclat. Et voilà! Ce styliste personnel connaît son métier. Il a mérité un pourboire généreux. Pendant le cours de maths, quelqu'un est toujours invité à répondre au tableau. Je peux? La riche Lucie a l'habitude d'être la première de la classe. Elle ne cédera sa place à personne pour aller au tableau. Lucie peut résoudre n'importe quelle équation. Elle est bonne en maths. Et c'est un A bien mérité. Même pas dans tes rêves, Alice. Et sur cette note positive, la leçon est terminée.
mais Alice va pas lui pardonner. Elle a déjà un plan de vengeance en tête. Sauf qu'Amelia est là. Et elle a tout vu. Tout le monde pensa que c'est Lucy qui a fait cette blague. Lucy, viens ici, vite. Je suis là. Pourquoi t'as fait ça? Mais c'est pas moi. T'es expulsée de l'école. Et ne reviens pas sans tes parents. C'est tellement injuste. On doit sauver notre copine. C'est pas la faute de Lucy. Et ça, c'est pour votre compréhension. De l'argent? Pour qui tu me prends, Mélissa? Y'a rien à faire. Mais Amelia connaît la vérité. C'est la faute d'Alice. Elle portait une perruque noire et a fait semblant d'être Lucy. Alice n'a pas le temps de cacher les preuves. Sa punition va bientôt tomber. Te voilà! Vous voyez, Mademoiselle Johnson, c'est elle! Elle va devoir dire la vérité. C'était juste pour avoir un A. Mais les menteuses n'ont rien à faire dans cette école. Ouais, c'est ça, va-t'en! Et reviens pas! Et Lucy est à nouveau parmi nous. L'amitié l'emporte toujours.